Ça y est. Le mini-boss. Le mini-boss. Et après, vous allez comprendre pourquoi. Qui va vous traumatiser pour le restant de vos jours. Non, le mini-boss, non. Non, non, mais les conséquences du mini-boss. Le temple. Et bonjour, voici le chef des garros. Alors, conclue, si j'ai bonne mémoire, la flèche de glace, c'est pas une si mauvaise idée. Oui, bon, évidemment, si on arrive à la décaler. Ah, mais il est vital. Ah oui, d'accord, il contre-attaque derrière. Ah ouais. Est-ce qu'il est pas voilà. Salaud. Oui, évidemment, sinon c'est pas drôle. Par contre, j'aimerais qu'un jour quelqu'un m'explique qu'est-ce que c'est mec qui est dans un donjon. Qui aurait compris ce putain de donjon en seul but de ramasser une fragment. Se téléporte. Ce jeu n'a tellement aucune logique, c'est juste. Pose des questions. Ah, il tombe derrière toi. Évidemment. Je l'ai vaincu. Ça y est, ça y est, ça y est. La défaite a un goût amer pour celui qui se croyait invincible. Tu as été un adversaire valeureux. Je meurs par ta force. Je tire ma révérence en ouvrant mon esprit et mon cœur. La sagesse s'échappe de mes lèvres. Si ton trait de lumière divine atteint l'emblème rouge au reflet de sang à l'extérieur du temple, l'ordre des choses sera bouleversé. La terre née dans le ciel trouvera son reflet dans la lune née dans la terre. Souviens-toi de ces mots. Je meurs sans laisser de traces. Car telle est la loi des garros. Voilà. Donc il a parlé d'un emblème que j'ai nommé instrument de torture d'ailleurs et d'un trait de lumière. Et bon, et j'ai envie de dire au premier temple on a obtenu l'arc, au deuxième temple on obtient les flèches de feu, au troisième temple on obtient les flèches de glace. Bon, dans l'ordre des choses, au quatrième temple, il semblerait qu'on obtienne la flèche de lumière. Ouais, je sais, je suis trop fort. Que la lumière triomphe du chaos. Magnifique. La flèche de lumière. Et à partir de maintenant, les amis, tout se complique. Alors, pas tout à fait encore. Évidemment, c'est une petite forme de merde, si tu fais un pas à droite, tu retapes le donjon, c'est ça? Non, je pense pas. Il va me voir, hein, bien qu'étant invisible. Tu l'as tapé, je crois, non? Ouais, je l'ai tué, là. Non, c'est juste parce que tu l'as tapé qu'il t'a vu, j'ai dit. Ah, non, je pense pas. Alors, est-ce que j'ai bien fait de descendre? La réponse après la pub. Dites-moi qu'il y avait une fée, au moins. Non, d'accord, ok. Bon, où est la prise à grappin? Ah, c'est bon, je la vois. Bon, du coup, il y a rien de trop que je puisse faire. Ah! On va
pouvoir expérimenter notre nouveau jouet. C'est un mini-boss ça aussi. Ouais. Ah, si, je me rappelle, je crois. Oui, je me rappelle de lui. Ah ouais, faut pas trop aller loin. Bam! In your face. Bam! Alors en fait, jeu lumière coûte plus de magie aussi. Hein. Il se régénère pas quand il est sans soi. Non. Oh là 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 là. Bam. Tiens, t'as aimé ça hein. J'ai déjà plus de mana, mais c'est un truc de fou. La flèche de lumière, vraiment, ça coûte énormément en mana. Ça coûte le double d'une flèche de feu, en fait. Bon, du coup, j'ai obtenu la sixième fée, ce qui est plutôt pas mal. Et là, on va s'amuser, c'est que... C'est que 9. Alors qu'on revienne dans cette salle. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas pu faire? Et oui, souvenez-vous de ces blocs. Maintenant, avec la flèche de lumière, bah, c'est comme si on leur envoyait de la lumière dessus. Ah d'accord, ça marche pareil. Ouais. Ah bah ça c'est utile ça. Je vérifie. Voilà pareil, là ici on a un soleil, un magnifique soleil. Bon qui m'a l'air un peu à l'envers mais il s'active aussi. Et il fait apparaître un coffre. À l'envers. Alors ce que je propose c'est qu'on retourne dans la salle rapidement là de où il y avait les blocs soleil et après on passe à la suite du donjon parce que là bien évidemment vous allez me dire mais en fait le donjon on l'a fini il... enfin on a quasiment tout exploré et vous avez raison mais vous allez voir que ce donjon a une particularité et pas une petite particularité. Donc repassons par ici. Bien évidemment. Je vais sortir des flèches normales pour les buter eux. Et bien évidemment on va devoir se retaper l'hymne du vide. Parce que bah voilà, c'est pas drôle sinon. Oh mon dieu. J'ai cassé la caisse. Heureusement il en reste une. Mais du coup je vais devoir faire deux hymnes du vide. J'ai cassé la caisse. Où es-tu? L'ami. Aha. Alfred. Oui, je leur donne des petits noms comme ça, voilà. Faut pas me juger. Moi seul. C'est ça. Je suis bonjour. Ah. Il sert à quoi cette team là? C'est quoi? Il sert à quoi cette team là? Oh là là, mais tu suis pas hein. T'es vraiment un boulet hein. Si je suis, je suis en train de regarder, je t'assure. Ça fait genre 10 minutes que je t'explique à quoi il sert. Ah. C'est pas la première fois qu'on s'en sert en plus. Mais oui. Comment tu crois que j'ai pu accéder au temple? Hein, les plateformes, ça te rappelle quelque chose? Ah, d'accord. Mon dieu, je vous jure. En même temps, ça me permet de moins souffrir intérieurement à cause du temple, mais... C'est pas les statuettes, là. Voilà. Tu me fais souffrir... D'une autre manière, en fait. D'accord. Voilà. Je n'osais pas te le dire, mais écoute... ça se passe comme ça. Oui, je sais que ça ouvre la porte, merci. Tu te tais maintenant?
C'est le moment où il joue avec des restes de poisson. Et oui, c'est la guitare du Zorin. Oh là 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 là, c'est vraiment longtemps que t'as pas joué à Majora's Mask, hein. Ça va trop longtemps. 4 ans, 5 ans, je sais plus. Tu vois, tu devrais refaire le let's play toi aussi. Toi aussi viens souffrir avec moi. Ah, pourquoi pas. Let's play Majora's Mask 2 by Shadowken. Ah, ils vont faire un dire. Non. Let's play numéro 2 sur la chaîne. Ah, non, c'est mort. Heureusement, il y avait plein de magie ici, c'était cool. Ah, on est revenu dans la salle. Et là, on va pouvoir s'équiper de la superbe flèche de lumière. Et faire bonjour. Je te pète. C'est la magie. Mais après avoir fini ce temple, il reste plus rien normalement, non? La fin du jeu et les quêtes annexes. Ah d'accord. Je vais d'abord faire les quêtes annexes, j'imagine. Ouais. Enfin, je veux juste faire tous les masques. Ouais, j'ai bien compris. Bon, tu m'as saoulé. Je passe en mode kamikaze. Tu vas pas un peu de prendre la bombe là. Pourquoi je peux pas exploser? MDR. Bon. Tu ne me trouves plus. Ah, je suis invisible à tes yeux. Je n'ai pas eu le temps de me protéger avec mon bouclier. Mais il n'y avait rien ici. Non, j'ai loupé quelque chose. Je suis sûr qu'il y a un coffre ici, c'est pas possible. Pourquoi il y aurait une zone comme ça aussi inutile? Pour faire perdre du temps, quoi. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un cristal que j'ai loupé. Un interrupteur, ce que tu veux. C'est pas possible. Peut-être tout à l'heure, dans la phase chiante. Non. C'est ici. Ici, il me reste quelque chose. Je vois rien. C'est pas normal, pourquoi il y a une zone comme ça, genre juste une... Attends. Je sais. Que dit la carte au sujet? Si, il y a un coffre, tu vois, genre je suis sur un coffre. Tu vois sur la carte? Ah. Il faut la musique là. Quelle musique? Il y a une musique pour faire pop les coffres. Les coffres. Ah bon? Ah, je me trompe encore de jeu, c'est ça? Oui. D'accord, on va pas spoil plus que ça. C'est dans quel jeu où il y a une musique pour faire les coffres? Je sais pas... comment il s'appelle? Wind Waker? Il y a une musique pour faire pop les coffres? Je crois pas, hein. Ah non, c'est dans... soit Phantom Hourglass, soit Spirit Tracks. Un des deux. Ah, c'est Spirit Tracks. Ah, peut-être dans Phantom Hourglass aussi, je suis pas sûr. Peut-être, mais Spirit Tracks, sûr. Je veux pas aller dans l'eau parce qu'après pour remonter ça va être la merde. Mais bon, je sens que j'ai pas le choix, hein. Je hais ma vie. Mais le mec qui fait un temple pour se torturer. Oui. Ce temple c'est de la torture en fait. Évidemment, il fallait que tu t'arrêtes sur la bombe. Ah, il y a un soleil magique. Oui, mais il faut que je sorte de l'eau pour pouvoir l'activer. Ah non, le cristal est là. Ce qui veut dire... Ah mon dieu, mais quelle horreur. Ah mon dieu. Ça veut dire qu'il est temps, c'est ça? Ou toujours pas? De quoi? Il est temps ou toujours pas? Non, il faut que j'active le cristal et que je chope le coffre qui est là-bas. Mon dieu. Et là, il va falloir que j'aille en Zora. Bonjour. Parce que c'est le seul moyen d'accéder là-bas. Je joue avec Link. Hmm? Je peux y aller avec Link. Mais non, mais comment tu veux sauter? Hein.
T'es obligé de sauter là. Enfin faut que j'apprenne à sauter, c'est tout. Voilà, bon, alors bien évidemment, la mine. Ça fait 3 fois que je passe devant, mais... elle a décidé de m'exploser à la figure. Et Link, saute! En plus, il y a l'autre là qui s'excite derrière, du coup. C'est ça. La sentinelle? Oh là là, j'y arrive pas. Non mais ça a la même taille que le mur de droite, donc s'il n'y a pas de main, je peux pas monter. Hein. Si, tu peux monter en fait en sautant. J'en suis sûr, sinon tu peux pas choper le cristal. J'arrive mais, pas à sauter. Regardez, touche à droite, il y a aucune logique de monter. Hmm? Regardez tout, j'ai marqué plonger et nager, rien d'autre. Oui, non mais... ouais, c'est vrai qu'on dirait que je... Non, tu peux faire des sauts en sortant de l'eau. Non mais faut avoir un timing de fou alors, peut-être. Je sais pas, j'essaye de sauter là, mais j'arrive pas. Je sens qu'on va faire une ellipse. Je sens qu'il est temps de faire une pause, parce que là... oh, j'en ai marre de ce temple. Moi, je suis obligé de rentrer dans la main, en fait. Oui, mais la main, elle m'amène pas au bon endroit. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Et peut-être qu'elle peut t'amener au bon endroit, justement. Non, elle peut pas m'amener au... non, mais il y a un truc qui est activé derrière, là. Essaye de lancer une... ah, une bombe! Ah ouais, ça pourrait marcher, ça. Une bombe ou une flèche, je sais pas, pour l'activer. Non, la flèche, elle passera pas à travers le grillage. Oh! Le coup de la bombe, c'est du génie. Bon. Et maintenant, faut que je revienne de l'autre côté. Sauf que du coup, si je peux pas sauter en Zora, je vais être obligé de refaire tout le tour. Non, on va essayer de sauter en Zora. Et si ça marche pas, je vais refaire tout le tour. Et je vous ferai une ellipse. Tu vois là, il a fait un petit saut. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? En gros, si je crois que j'ai compris comment il fallait le faire mon saut. Il faut se mettre au fond de l'eau. Planer jusqu'en haut. Ah voilà, en gros c'est ça. Il faut ressortir vraiment, faut timer le... Je crois que le saut il est pas fait pour passer. Si, il est fait pour passer. Ça, j'en suis sûr qu'il est fait pour passer. Bon, je tente une dernière fois et je fais une ellipse, sinon. Hein. Parce que je vais devoir refaire tout le tour, sinon. Et j'ai pas envie de refaire tout le tour. Ah, mais un vrai essai, j'ai dit. Je suis sûr que c'est faisable. Je pense pas. Si, si, je suis sûr que c'est faisable. Parce que la trajectoire de ton saut, elle est trop verticale. Aïe, 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 aïe. Bon. Sur le mur, c'est pas fait pour ça. Ellipse. Ellipse, les amis. Bon, les amis, ça y est. Bon, bah, du coup, j'ai fait le tour. Hein. Je suis ressorti, j'ai joué le champ de l'envol. Et comme vous le savez, le champ de l'envol, dans un temps, permet de revenir à l'entrée du temple. Et je suis revenu. Voilà. Je suis revenu, tout ça, pour chercher ce foutu coffre. Pour trouver une fée perdue. Tout ça pour une fée. Bon, au moins, on l'a. Et maintenant... il est temps de pleurer. Mais vraiment. Je suis sérieux. Ça va être l'heure de pleurer. Parce que là, je vous ai donné tout plein d'indices. Les coffres au plafond. L'instrument de torture. La carte inutile. Mais jusque-là, tous ces indices, bah, vous ne les compreniez pas. Et là, vous allez pouvoir les comprendre. Vous allez les comprendre dans quelques instants. Si vous vous souvenez des paroles de Monsieur Garot... non. C'est lequel, l'interlocuteur? Ah, cinématique. Voilà, c'est celui-là. Hop, on va jouer l'hymne du vide dessus. Pour faire apparaître l'instrument de torture ultime. Tu connais les hymnes par cœur? Non, mais j'ai ma petite fiche à côté en fait. Ah, et puis celle-là, maintenant, à force de la jouer, je la connais par cœur, oui. Non, j'ai ma petite fiche pour éviter de regarder dans l'inventaire à chaque fois. D'accord. Je me suis dit que ça devenait pénible.
Si vous vous souvenez des paroles du garou, il a dit « Tire ton trait de lumière, donc la flèche de lumière, sur l'instrument de torture. » Bon, il a pas dit « instrument de torture », mais c'est pareil. « Et l'ordre des choses sera bouleversé. » Et là, vous allez comprendre pourquoi ce temple n'a aucun sens. Mais littéralement aucun sens. Oui, les amis, ce temple est en réalité un double temple. Non, vous ne rêvez pas, il y a bien deux temples en un. Et nous ne faisons que rentrer dans le deuxième temple. Le même temple que l'on vient de voir, mais totalement inversé. Oh mon dieu! Activer parce que sinon tu aurais dû revenir 15 fois pour réactiver, réactiver. Enfin, et mon dieu! Rien que là, j'ai envie de pleurer. Là, ça va vraiment devenir difficile parce que tout ce que je n'ai pas fait dans le premier sens, ben, faudra que je revienne le faire. Et on peut pas tout faire à 100% dans le premier sens. C'est-à-dire que là, je vais débloquer des coffres qui seront au plafond. Bon, déjà, tous les coffres au plafond, je pourrais les récupérer maintenant. Mais tous les coffres que je vais faire apparaître au plafond maintenant seront à l'endroit tout à l'heure. Donc, il va falloir réinverser le sens plusieurs fois. Ouais, bon, je sais, ça devient compliqué. Et oh mon dieu, déjà, j'ai vraiment pas envie, là. Là, vraiment, tu vois, genre... À partir de ce moment-là... À partir de ce moment-là, tu vois, genre, tu te dis non. Pitié, non. Tout, mais sauf ça. Pourquoi me servait cette caisse? Je n'en sais rien. Ah, il y a une flèche décochée ici. Où ça? À droite, en bas. Allez. Non, c'était déjà à l'endroit. Ouais. Je l'ai déjà fait, celle-là. J'avais pas déclenché un coffre tout à l'heure, là-haut? Bah, regarde autour de toi, sinon, non. Il est sur la carte, de toute façon. Ouais, il est sur la carte. Ouais, forcément dans ton sens. Non, il est dans ce sens-là. Et donc oui, la raison pour laquelle la carte est totalement inutile, c'est que elle indique le même temple. Et les coffres apparaissent que vous soyez à l'endroit ou à l'envers. Donc en gros, vous n'avez aucun moyen de savoir si vous êtes à l'endroit, à l'envers, comment fonctionnent les salles, ou quoi. Je suis sûr qu'il y a un... Bon, merci pour la magie, au fait. Bon, au pire, hein, ça c'est à l'entrée du temple. On verra ça plus tard. Oh, des rubis. Bon, les amis, il est temps de découvrir ce temple inversé. Mon dieu. Un bloc me bloque le passage. Oui, c'était un jeu de mots. Volontaire. Tu l'as pas entendu? Je t'entends plus, là. Hein? Tu vas couper ta blague au montage ou tu comptes la garder? Je compte la garder. Rien ne se coupe, rien ne se rajoute. Tout se filme. J'aime. Si vous aimez ma citation, laissez un like. Si vous l'aimez pas, laissez un like. Je t'entends, monstre. Où te caches-tu? Je ne te vois pas. Ah, tu es dans le couloir du dessous. Je te vois. Et si nous utilisons la botte secrète? C'est vrai qu'il sert un peu à rien. Lequel? Celui-là. Le mojo? Bah, si, à planer. Il sert juste dans le premier temps, puis après, tu as 2-3 fois par contre. C'est pas... Et évidemment, bien évidemment, le seul GDR sur lequel je comptais ne sert à rien. Ok, donc je suis arrivé à la sortie de la salle, sans la clé. Oh! Par contre, vous le voyez aussi bien que moi. Il y a...
un emblème. Soleil. Ne gâchons pas la lumière est précieuse. EDF va pas être content sinon. J'économise d'énergie. Et voilà, voilà pourquoi on va devoir faire des allers-retours. Parce que là du coup ce mécanisme n'est pas accessible à l'endroit, on est obligé de le faire à l'envers. Et bien évidemment il fait apparaître le coffre dans l'autre sens. Évidemment c'est le bordel. Voilà. Donc évidemment, eh ben on va s'amuser. Parle pour toi. Moi je regarde. C'est suffisant. Mais très suffisant même. Oui mais toi t'es pas gentil avec moi. J'ai la tête qui tourne déjà, tu vois. Pourquoi? Alors bien évidemment, le mojo. Je suis pas gentil. Et si on laissait une petite statue? Histoire que l'interrupteur reste éteint. Enfin, enclenché plutôt, mais... Ah, je mélange mes mots. Ouais, je sens vraiment que je vais devoir couper ça en plusieurs épisodes en plus. Ouais, je sens déjà qu'on est en train de prendre... beaucoup de temps. Oui! Je vole! Oui, j'ai évité les bombes! Oh là là, ce skill! Oh, mais je suis trop un PGM! Moi aussi, il y a beaucoup de chance derrière. Non, c'est que je suis un PGM. C'est tout. Bonjour Thomas, prends le temps de donner une manière très très rapide ta skill. Tu es jaloux de mon skill. Ok. C'est vrai, c'est marrant parce qu'on parle de Zelda et de skill en même temps, tu vois, c'est tellement, on ne trouve pas de mots qui ne vont pas dans la même phrase. Ok, tu me diras, il y a certains Zelda qui ont assez de skill, tu skill, ouais. Comme The Legend of Zelda, le deuxième et le premier. Ah ouais, mon dieu, oh, alors, eux, je crois que c'est les pires niveau difficulté. Ah ouais. Déjà, Majora's Mask est pas mal niveau difficulté, je trouve. D'ailleurs, mine de rien, on a fait les deux tiers des faits. Alors, en fait, Majora's Mask, je suis pas d'accord, parce que la difficulté, en fait, elle provient surtout de la caméra qui est vraiment dégueulasse. Non, c'est la même qu'Ocarina of Time, mais j'avais pas ce problème. Ah oui, donc. Elle est dégueulasse. Ouais, mais bon. Non, même sur 3DS, il est compliqué. Hein. Vraiment. Hein. Exact. Et pourtant, ils ont corrigé pas mal de choses hein, sur 3DS. Hein. Ouais. Tu m'entends bien en fait ou je dois rapprocher Non, non, là c'est bon, je t'entends. C'est bon. Je vais juste m'équiper rapidement de mon grappin. On va s'équiper du masque de pierre. Bam! T'as aimé hein? Ouais. Maintenant tu dis plus rien. Je dis plus rien. Ah oui, ouais. J'allais dire, il reste un coffre dans la salle. Il est pas dans le bon sens. Oh, un interrupteur au plafond, tiens donc. Merci de me faire revenir en arrière. Bon, encore ça va, c'est pas méchant, ça aurait pu être dans l'autre sens. Oui, ils en sont capables de mettre des coffres dans tous les sens. Ça va encore, c'est que sur dans deux directions. T'imagines si le temps peut tourner vers la droite et vers la gauche en plus. Ah non, en plus j'ai dit une bêtise. En fait, les coffres, ils apparaissent que dans le bon sens. Genre là, il m'indique qu'il n'y a pas de coffre dans la salle, mais il en reste un. Donc j'ai dit une bêtise. Oui, j'ai dit une bêtise. Donc autant pour moi, la boussole est utile. Je me souvenais pas, il me semblait bien que ça faisait apparaître les coffres... les coffres dans les deux sens. Bon, la carte est pas si inutile que ça, finalement. Mais bon. Comme on doit faire le temple deux fois, on sait pas trop quelle pièce on a visité après. Pardon? Il y a une tentacule. Non, je vois pas de quoi tu parles. Tu parles pas de ça quand même. Tu es violé sur les murs et après elle te jette. Merci, mon ami. D'accord, en fait, t'as servi à rien. Ah oui. Je te croyais utile. Tue-le pour la peine.
Non, mais ce que je veux savoir en fait, c'est. C'est un Master Sword ça? Non, y a pas de Master Sword dans celui-là. Ouais, c'est aussi, elle était bizarre. Hein. C'est la lame dorée, c'est la meilleure épée. C'est l'épée Kokiri reforgée. Ah, ok. En fait, par là, je peux rien faire. Ah, mais non, je sais. Souvenez-vous, les amis. Je suis monté tout à l'heure dans une salle où, où on avait besoin d'une clé. Et maintenant, grâce à cette clé... Pourquoi t'as repop, toi? Bah lui, invisibilité, il s'en fout. Hein. Je vais l'embarquer. Par contre, il aime pas les grappins. Ouais. Ouais. Il suffit de leur enlever leur masque et après, ils pètent moins les pieds. Alors, sortons le masque Mojo. De quel côté c'était? C'était de ce côté. Oui. Ouais. La mine m'envoie sur la plateforme. Je suis trop bon. Regardez-moi ce skill. Vraiment, vraiment du skill. Comment je parle de skill en fait parce que... Genre ce temple est une horreur. Oh non. Oh non. Oh non. J'avais oublié qu'il y avait des instruments de torture dans le temple. Mais t'es con ou quoi? Prends ton temps, Goron il passe. Non. Regarde. Oui. Ah. Oui, il y a un instrument de torture bis. Non. Pourquoi tant de haine? Je déteste. Je déteste ces foutus emblèmes. En plus, tu peux tourner le temple de l'intérieur. Tu peux tourner que certaines salles de l'intérieur. Là, par exemple, ça a tourné que la salle et pas le dehors. Et pour retourner dans la salle, t'as fait tourner la salle de l'extérieur aussi. Donc, non, ça fait tourner que la salle de l'intérieur. Ah, que l'intérieur de la salle, alors. Ouais. Il y a juste, ça fait tourner la salle de l'extérieur. Genre, il y avait des coffres qui passent de haut en bas et tout, là. C'est le bordel. Non, mais là encore, c'est gentillé. Mais si je me souviens bien derrière... Ouais, je me souvenais bien qu'il y avait... Oh non, j'aime pas ça. Pourquoi moi? Tu vas découvrir la vraie notion de difficulté. Je vois des slims pour l'instant. Voilà le bloc. Il va falloir le faire pousser et changer le sens de la salle à chaque fois. Sauf que je sais même plus où il faut qu'il tombe. Je sais même pas s'il y a un endroit où il faudrait qu'il tombe. Ouais, en soi... En soi, là, ça devrait être bon. Ils sont où, les slims? Parce qu'ils donnent des flèches et de la magie, et ça, c'est cool. Ça, c'est la vie. Et maintenant... Rien, garçon. Et là, je l'ai poussé trop loin. Non, c'est bon. Je suis en train de me demander... Non, faut l'amener là, en fait. Allez, on y va, on y croit. On y va, on y croit. Et on tire sur l'emblème. Je dis sur l'emblème. Allez, on pousse, on y est presque là, c'est bon. L'énigme est pas dure, mais elle est longue. Ouais.
très longue. Ah, c'est ça que j'aime pas aussi dans ce temple. C'est qu'en plus d'avoir des trucs casse-pieds, on a des énigmes longues. Boum. Là, je me fais écraser par le bloc et je dois tout recommencer. Vous voulez pas monter? Bon, toi, meurs. Évidemment. YOLO.